les déclarations de. Alors, les déclarations, il faut les faire par des gestes attentionnés. Un geste attentionné. Mais ça dépend beaucoup du rapport que vous avez à la personne. Les tuer, les je t'aime, pas trop souvent quand même, ça monte à la tête. Mais ça dépend le rapport que vous avez avec la personne. Si c'est une union légitime, vous lui faites beaucoup de choses. Si c'est une relation libertine, fatiguez pas. C'est évident. Si c'est les deux, c'est encore mieux. Si c'est un copain. Mais voilà, les déclarations, ça suppose qu'il y a une liaison. Sinon, c'est pas la peine. Ah, mais il y a plein de gestes pour montrer à quelqu'un qu'on a de l'affection pour lui, sans mots. Moi, par exemple, j'ai des principes de chasteté à respecter. Il y a des gens qui ont su s'y prendre, qui les ont respectés. C'est-à-dire qu'ils me tiennent par la main, ça va. Qu'ils me fassent du pied, ça va. Chasteté. Qu'ils me plottent, ça va pas. Qu'ils me touchent, qu'ils m'embrassent, ça va pas. Voilà. Mais si tu es respecté, la main, les pieds surtout, les pieds, du pied, ça se fait sous la table. Le seul problème que j'ai eu avec cette personne, c'est que c'était le milieu professionnel. Mais il y a plein de façons de déclarer ça. Des fois, c'est les autres qui réagissent tellement de manière exécrable qu'on se dit, oh, peut-être qu'il ressent quelque chose pour moi. Donc ça s'est fait comme ça aussi avec cette personne. Et moi, je dis, il y a plein de façons de déclarer sa flamme. Trouver une originalité. Mais il y a plein de façons de déclarer sa flamme.